bienvenue Monsieur le Contrôleur Général Ahmed Aïd Taleb, qui est le représentant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Bienvenue à Monsieur Jean-Marc Souvira. C'est un projet qu'on appelle VISA, qui vise à promouvoir les droits des enfants, à commencer donc par les techniques d'audition des mineurs. Vous savez, la problématique des mineurs est assez complexe, parce que la justice pénale des mineurs s'assoit sur des procédures au niveau national ou au niveau international, et il faut respecter ces procédures-là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le témoignage de l'enfant soit valable devant la justice, devant n'importe quelle instance? Il faut passer par des techniques d'audition. Donc, le but du projet, c'est de former des policiers qui vont être capables donc, de recueillir les auditions des enfants, de bien recueillir les auditions des enfants et de mettre l'enfant à l'aise, de pouvoir donc faire en sorte que l'enfant puisse parler, parce que vous savez que les enfants ne parlent pas automatiquement. Les enfants ont peur, dès qu'ils sont agressés, ils ont du mal à dénoncer les agresseurs et tout. Donc il y a des techniques d'audition qui permettent aux enfants donc, de s'exprimer et donc aux policiers de pouvoir prendre en compte les déclarations de l'enfant devant la justice par exemple. تكوين أكثر من 60 خبير وكذلك 16 ديال المكونين اللي إن شاء الله غيستمروا في ترصيد هذه الممارسات الفضلة والناجعة في الدورات التكوينية المستمرة اللي تتسهر عليها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين وكذلك في إطار انفتاحها على المنظمات الفاعلة في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.